Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pilates. Donc aujourd'hui, on fait une session spéciale surfeurs et surfeuses. Alors, pourquoi associer le Pilates au surf Et bien tout simplement parce que dans une séance de Pilates, on travaille essentiellement les muscles posturaux, on fait des mouvements qui vont déséquilibrer et nous notre but, ce qu'on va chercher, c'est à garder à retrouver l'équilibre, la stabilité. Et comment on fait ça Eh bien en gainant et donc, ça fait travailler nos muscles posturaux, tous les petits muscles à l'intérieur du corps. Donc, c'est vrai que souvent, si on regarde des gens qui sont en train de faire du Pilates, on a l'impression qu'ils ne font rien. Et en fait, si vous testez, vous allez voir que vous allez souffrir à l'intérieur de votre corps parce que vous allez en permanence être obligé d'être concentré et d'être hyper gainé. Ensuite, on travaille bien sûr le centre du corps. Le centre, ça va être toute la sangle abdominale. On va travailler les abdos profonds, donc le transverse, qui fait vraiment tout le tour de la taille. Ça va travailler le bas du dos. Ça va travailler le plancher pelvien. Donc, on génère de l'énergie en engageant le centre. Et cette énergie va être redistribuée au moment de la respiration, au moment de l'expiration, plus exactement, en haut du corps et en bas du corps. Donc, c'est vraiment je crée de l'énergie, je crée de la force, et au moment de l'expiration, je libère cette force. Donc on travaille ça en Pilates et on travaille aussi toujours en étirant, on fait les mouvements, en cherchant la longueur, l'étirement, que ça soit dans le dos, dans les jambes, dans les bras, on travaille la souplesse. Donc tous ces petits éléments vont vous aider euh, durant vos sessions de surf. Ça va permettre d'améliorer votre pratique euh, et c'est valable aussi par exemple si vous faites du paddle. Voilà, donc bien sûr, si vous n'êtes pas surfeur, pas surfeuse, si vous ne faites pas de paddle, cette séance est aussi faite pour vous. On va travailler à fond les abdominaux, le dos, la souplesse. Donc prenez votre tapis épais, hein, toujours de préférence, prenez un petit peu d'eau et aussi une petite sangle. J'en ai une ici, donc une sangle qui va vous permettre de vous étirer si vous n'en avez pas. Prenez une écharpe, une ceinture, une corde, peu importe. Voilà. Du moment que c'est pas élastique, ça va fonctionner. Et n'hésitez pas aussi à prendre un petit coussin à mettre sous la tête éventuellement si une fois allongé vous retrouvez la tête un peu trop en arrière. Nous on aime bien rentrer un petit peu le menton en pilate, Donc, coussin, sangle, haut, tapis. Et on débute la séance tout de suite. Alors. Si vous êtes débutant en pilates, il faut savoir qu'on cherche toujours à avoir le meilleur placement possible. Pour avoir un bon placement, on cherche toujours à être dans l'alignement. Donc on alignera par exemple euh, les genoux, les pieds avec le bassin. On ne sera pas de travers, on n'aura pas une position un petit peu aléatoire, on sera toujours précis, précise sur notre placement. Ce qu'on fait toujours, c'est qu'on commence par engager le centre du corps. Comment est-ce qu'on engage le centre du corps On l'engage en creusant le ventre, en aspirant le nombril. Je me mets de profil pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, par exemple, je relâche mon ventre. Je suis à l'aise, j'ai bien relâché mon ventre. En pilate, on creuse, on aspire le nombril comme quand on doit rentrer dans notre pantalon qui est dix fois trop petit ou qu'on se lève à la plage et qu'on veut faire croire à tout le monde qu'on a le ventre super plat. Mais là, c'est pareil. On aspire, on creuse, on imagine que le nombril vient toucher la colonne vertébrale de l'autre côté. Vous pouvez toujours plus creuser le ventre. Plus vous creusez le ventre, plus vous engagez, en fait, le muscle transverse, qui est le plus profond des abdos, qui fait le tour de la taille. Comme il fait le tour de la taille, c'est à la fois les abdos, mais c'est un petit peu le bas du dos aussi. Donc ça va travailler votre bas du dos. Et quand vous creusez beaucoup le ventre, ça fait travailler les muscles du plancher pelvien. C'est une info. Ça se déclenche tout seul, environ à 30% si vous creusez beaucoup le ventre. Donc, on engage le centre. Ça fait travailler tout ici. Ça permet de redistribuer l'énergie en haut du corps et en bas du corps. Ça donne de la force. Ensuite, on étire toujours le dos. On se grandit. On cherche vraiment à mettre de l'espace entre les vertèbres. Donc, en pilates, on va jamais se tenir un petit peu mal, un petit peu avachi comme ça. Jamais. On étire le dos, on cherche à décomprimer, décompresser euh, les disques qui se placent entre les vertèbres. Donc, on se grandit. On cherche toujours l'autograndissement. Les épaules sont toujours basses, basses et légèrement vers l'arrière. Jamais de mouvement avec les épaules qui montent comme ça vers les oreilles. Par exemple, vous pouvez tendre un bras, mais avoir l'épaule basse. Pas parce qu'on lève le bras qu'on a l'épaule qui vient se coller à l'oreille. Donc, épaules basses. On bombe un peu le torse, on sort un petit peu la poitrine. Le haut du dos est gainé. Je plaque mes omoplates dans le dos. J'ai pas les omoplates qui sortent du dos. Je me mets de dos pour que vous vous rendiez mieux compte. Donc, pas de ça. Mais vraiment haut du dos gainé. Comme si je voulais faire Hulk et vraiment montrer mes muscles ici. Montrer ici. Donc, je gaine. Je fais comme si je plaquais mes omoplates. Okay comme si je voulais les cacher dans mon dos. Donc, pas relâcher, pas pincer, gainé dernier point de placement la tête, je rentre un petit peu mon menton comme ça j'ai l'arrière du crâne qui s'aligne avec la nuque et le dos ok Donc pas de tête trop en arrière par exemple quand on est sur le ventre, pas qui pend vers l'avant ici vous pouvez imaginer que vous faites un double menton que vous tenez une petite balle sous le menton. Donc là on est bien placé, on essaye d'appliquer ce placement durant toute la séance. L'important, vraiment, c'est d'être précis, pas de faire beaucoup de répétitions. Plus vous êtes précis, plus les mouvements sont efficaces. Dernier point important, la respiration, elle est thoracique en pilates, elle n'est pas abdominale, elle est thoracique et latérale. Donc on pose les mains ici, surtout si vous débutez, mettez vraiment vos mains sur vos côtes, juste en dessous de la poitrine, sur les côtés. J'inspire par le nez, mes côtes sourds. Et j'expire par la bouche. Mes côtes se rapprochent. Pour bien faire une respiration thoracique, on se focalise sur le fait de creuser le ventre. Du moment que mon ventre est creusé, ce qui va se gonfler, ça va être à ce niveau-là, obligatoirement, ça va pas être votre bras. Hein. Donc j'inspire, hop, ça s'ouvre, et j'expire, ça se rapproche, j'inspire, et j'expire, mes côtes se dégonflent, ça doit vraiment vous donner l'impression de tenir un ballon qui se gonfle, qui se dégonfle. Okay. Donc, on essaiera d'appliquer tout ça, le placement, la respiration durant toute la séance. Allez, donc on est assis sur notre tapis, on va joindre les mains, croiser les doigts, on tourne les paumes vers le plafond et on va pencher un petit peu d'un côté, de l'autre. On étire bien, on doit sentir que ça étire ici à fond. Donc on étire, problème. J'étire d'un côté, de l'autre. Je rentre le ventre. On n'hésite pas à bailler si on veut. Ok super. On revient au centre, on descend les bras, on va vraiment allonger le dos, on rentre le ventre au maximum, on se grandit. Si vous avez besoin de vous surélever pour avoir le dos droit, vous prenez une petite brique de yoga ou un livre. Le fait d'être surélevé, ça permet de bien étirer le dos. J'inspire au centre, j'expire sur ma rotation. J'inspire au centre, j'expire, rotation. Du buste. Donc je tourne bien à chaque fois. J'étire, j'étire. Je tourne, j'inspire au centre. J'expire, rotation. On doit sentir une torsion dans le dos. On bouge pas les bras ou les épaules, hein. on n'est pas comme ça en train de tirer à chaque fois. On pourrait même faire l'exercice, main sur les épaules. Donc on sent une torsion dans le dos, le mouvement part du centre, part du ventre, ça ne part pas du bassin, c'est pas le bas du corps qui se tourne comme ça, ça part vraiment d'ici. Ok. Ensuite on va monter les bras au-dessus de la tête quand on passe au centre. Et on expire, on baisse les épaules et on engage bien le haut du dos, on plaque les omoplates. Donc vous allez sentir vos grands dorsaux qui gainent. On inspire, on expire, rotation. J'inspire au centre, je passe au centre, je passe les bras au-dessus de la tête, je baisse mes épaules, je gaine mon haut du dos. Et j'inspire, je reviens. J'expire, rotation. Avec le ventre avec le transverse engagé, bras au-dessus de la tête, je descends les bras, rotation, et je reviens, je relâche. Ok, ensuite, on va passer dans ce okay. sens, on a les jambes légèrement pliées, le ventre rentré. On courbe le dos, on vient s'allonger sur notre tapis. Vous plaquez les bras au sol, on replie les jambes, on place les talons à peu près sous les genoux. Je creuse le ventre, je plaque mes lombaires. Donc on fait exprès de faire une petite bascule du bassin, on lève les fesses, les lombaires, le dos. On serre les fessiers à fond, on inspire en haut et en soufflant on déroule le dos progressivement. Si quand vous montez, vous avez mal aux genoux, c'est que vos pieds sont trop près de vos fesses. Vous avez vraiment trop mal aux ischios euh, et aux fessiers, c'est que souvent les pieds sont trop loin de vous. Donc rapprochez-les, trouvez le bon placement et mettez vos pieds parallèles. Et je repars, j'expire. J'inspire en haut et j'expire, je déroule mon dos vraiment une vertèbre après l'autre. Vous voyez, je fais exprès de poser mon bas du dos, puis je pose mes fesses, puis, je retrouve mon dos neutre. Ce qu'on appelle le dos neutre, c'est votre courbure naturelle du dos. Et j'expire, je repars, je monte, je serre mes fessiers. J'inspire en haut, je serre les fessiers à fond. Et sur l'inspire, j'ajoute mon cercle de bras. Je plaque mes bras, je déroule le dos. Et encore. J'expire, je monte, il nous en reste trois. Cercle. Stabiliser le bassin en serrant les fessiers, et en creusant le ventre. Deux. Je monte. Cercle de bras. On gaine tout. Et le dernier. Hop. Montée de bassin. Cercle de bras. Et je déroule. Parfait. Je vais venir placer une jambe en chaise renversée et l'autre. Donc, chaise renversée, ce sont les genoux au-dessus des hanches, les jambes parallèles au sol, angle droit sous le genou, angle droit entre ventre et cuisse. On creuse le ventre pour tenir le dos, ça ne doit pas tirer dans le dos. J'expire, j'étire ma jambe droite, j'inspire, je ramène. J'expire, je tends ma jambe gauche, j'inspire, je ramène. Je cherche la longueur dans la jambe à chaque fois et je souffle, j'inspire, je ramène. Je gaine, je serre fessier, cuisses, jambes, pointe de pied. Si votre dos se cambre, attention, ça veut dire que le ventre n'est pas assez rentré. Et que du coup, il ne tient pas le dos. C'est normal d'avoir le dos qui part si vous creusez pas le ventre. Donc attention, il s'agit bien de creuser, pas de contracter en étant le ventre sorti. J'aspire le nombril. N'hésitez pas à mettre un t-shirt court, une brassière ou à faire torse nu, vous êtes à la maison, euh, pour vérifier, pour checker votre ventre, pour le regarder. J'expire, j'étire. Ensuite, je joins les mains, je croise les doigts, je passe les paumes de main derrière la tête. J'allonge mon dos au maximum et à l'expiration, j'enroule, je recreuse bien le ventre. Je cherche la longueur dans une jambe, puis dans l'autre. Et je ne tends jamais un coup sec, comme ça, ça protège mon articulation du genou. Je vais lentement, c'est fait exprès. Okay on fait exprès d'aller lentement parce qu'on souffle. On inspire, on ramène, on expire, on tend. On inspire, on ramène, on creuse le ventre à fond. Encore. Allez. Et on relâche. Super. Genou, poitrine. Massez votre dos. On va commencer l'exercice suivant par le niveau 2. C'est comme un test. Si vous n'arrivez pas à faire le 2, je vous donnerai ensuite le niveau 1. Mais on essaye d'abord de voir si on arrive à faire le niveau 2. Donc j'étire mes jambes. Pieds pointe. Je creuse mon ventre. Sinon, je me retrouve le dos cambré. Donc je creuse. J'inspire, j'étire mes bras au niveau de mes yeux ou de mes joues, pas plus bas. Je ramène mes mains au-dessus de mes cuisses, je décolle ma tête, mes épaules, mon dos. Je regarde mes orteils et je remonte lentement, je vais chercher vers l'avant. Je rentre le ventre et je repars. On courbe le dos, on creuse le ventre. On imagine que quelqu'un de très sympa nous retient par le bout des doigts. Je descends tout doucement, je tire les pointes de pieds. J'inspire, j'étire. Pour me redresser, je ne mets pas d'élan. Je remonte parce que je ramène les mains et que j'engage mon transverse sur l'expiration en regardant mes orteils. Ok. Alors, un petit peu de bruit. Si j'ai du mal à remonter, si j'arrive pas à remonter, que je suis obligée de m'appuyer sur mes coudes, de mettre de l'élan, je fais le niveau 1. On allonge le dos, on tend les bras, on courbe le dos, on part vers l'arrière on bloque et on va chercher vers l'avant vous allez sentir que ça vous étire sous les jambes, les cuisses, les fessiers, peut-être aussi un petit peu le dos. Hop, je bloque. Donc je m'arrête avant que mes pieds décollent. Je me retiens avec mon transverse parce que je creuse mon ventre et j'étire vers l'avant. Et je repars. Baisser les épaules, rentrer le ventre. Donc ça c'est le niveau 1 qu'on fait si on ne peut pas faire le niveau 2, c'est pas grave de ne pas faire le niveau 2, il vaut mieux faire le niveau 1 sans forcer. Le but, c'est pas de se faire mal au dos. Donc le niveau 1 travaillera très bien aussi. J'expire, je vais chercher vers l'avant. Si vous êtes en niveau 2, vous continuez. Je contrôle, je contrôle, je bloque et je remonte. Ok. On revient dos droit. Alors, on va tendre les jambes, on les garde tendues, pardon, on les ouvre, on met les talons dans les coins du tapis. On est en pied flex. Pied flex, c'est vraiment vos orteils vers vous, comme ça. Vos talons qui partent vers l'avant. Comme ça, on va avoir un bon étirement sous les jambes, sous les cuisses. J'étire mon dos à fond, je bombe le torse, je rentre le ventre, j'ajoute mes bras devant moi. Et à l'expiration, là, j'imagine que j'ai une petite barrière, je vais passer par-dessus. Hop la première. Et j'inspire, je reviens, dos bien droit. Je me grandis, je rentre le ventre. Et j'expire, j'y vais. J'inspire, je reviens. C'est pas parce que je vais vers l'avant que je dois hausser mes épaules. On a tous une tendance à faire ça, à tirer comme ça les épaules vers l'avant. Essayez de les garder basses et vers l'arrière. Et on ne relâche pas le ventre. Et on inspire, on revient. J'expire, j'y vais. Il nous en reste deux. Et j'inspire, je reviens. Et le dernier. J'expire, j'y vais. Et j'inspire, je reviens. Super. On relâche. Ok. Donc vous allez attraper votre petite sangle. Moi j'ai celle-ci. Je l'attrape et je vais la passer sous mes plantes de pied. Donc on va étirer l'arrière des jambes. Donc pied flex. Je pousse vraiment mes talons vers l'avant et pareil, mes orteils vers moi. Je rentre le ventre et je cherche à avoir le dos bien droit, bien étiré. Donc c'est pas grave si je me couche pas sur mes jambes, faut pas se retrouver avec le dos rond. Donc nous on imagine qu'on va essayer de creuser le milieu du dos. Alors, en vrai, c'est pas ça. On cherche pas à avoir le milieu du dos cambré, creusé, mais ça va nous aider pour l'étirer. Plus vous rentrez le ventre, plus ça aide à étirer le dos. Plus vous étirez le dos, plus ça permet de rentrer le ventre. Donc, allez-y. Attention aussi à la position des pieds. Des fois, on a les pieds comme ça qui rentrent vers l'intérieur, qui se regardent un petit peu. Donc, on tourne vraiment les bords des pieds. On essaye d'avoir les pieds qui sont vraiment face au mur, face à nous. Ok, la tranche des pieds bien placée, bien droite, pas le pied qui rentre vers l'intérieur. Et on tient la position. On rentre le ventre, on rentre le menton. On veut que l'arrière du crâne soit aligné avec la nuque et le dos. Donc vraiment, ça étire sous les jambes. Si c'est pas le cas, étirez un petit peu plus, penchez-vous un petit peu plus, toujours en cherchant la longueur du dos. Respirez. Allez, on tient encore un petit peu. Respirez profondément. On allonge le dos, on se grandit. Et on revient tranquillement. OK. Allez, on peut ranger la tangle. Donc la suite. On va ouvrir les jambes un peu plus large. Que notre tapis, toujours pied flex. On ouvre les bras. Et on va faire notre rotation du buste qu'on a fait en début de séance. On se tourne au-dessus de la jambe gauche. On enroule tête, épaule, dos. Une fois qu'on est au-dessus de la jambe, et on déroule du bas du dos jusqu'à la tête. On se grandit. pied flex. Gardez les jambes tendues. N'hésitez pas à garder le livre ou la brique pour vous asseoir dessus. À vous aider. On revient dos droit. On inspire, rotation. Attention à pas manger une partie du de mouvement. Des fois, je vois des élèves qui passent, tac, d'une jambe à l'autre. Non. En pilate, l'important, c'est la précision. Donc, on prend son temps, on inspire. C'est la précision qui fera vraiment l'efficacité, pas autre chose. Je déroule. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup. On essaye juste d'être précis. J'expire, j'enroule. J'inspire en bas, j'expire je déroule. J'inspire sur ma rotation, j'expire j'enroule. J'inspire en bas, j'expire je déroule. J'inspire et j'expire j'enroule donc l'autre bras part tendu derrière pour me plafond. J'expire, j'inspire, voyez, je fais bien ma rotation du buste, le ventre rentré comme si je voulais venir toucher euh, la colonne vertébrale avec le nombril, rotation. Et j'enroule. Et je déroule. Et un dernier. Et je reviens. Parfait. Allez, je vais replier mes jambes. Je joins mes plantes de pied. Je tiens soit mes chevilles, soit mes orteils. J'inspire, j'étire mon dos au maximum, je me grandis, je me grandis, je me grandis en partant vers l'avant et je relâche le buste au-dessus des pieds. Rentrer le ventre, ça permet de détendre le dos, l'articulation de la hanche, ça permet de, re de détendre, pardon, de relâcher votre esprit aussi. Donc on reste quelques instants, on n'est pas crispé avec les épaules qui remontent. Hein. On peut même fermer les yeux si on veut. Voilà, on se laisse pendre au-dessus des pieds. On respire. Ok, on revient, dérouler du bas du dos jusqu'à la tête. Super. Ok, on va venir s'allonger sur notre tapis. Donc on est ici, on creuse le ventre, on courbe le dos, on s'allonge. Vous allez plaquer. Les bras, on creuse le ventre à fond et à l'expiration, on va venir placer une jambe en chaise renversée et l'autre. On joint les mains, on croise les doigts, on passe les mains derrière la tête, coude ouvert. On allonge le dos et à l'expire, on lève le buste. Vous regardez entre vos cuisses, pas au plafond. J'expire, je viens toucher le sol avec la pointe d'un pied. J'inspire, je ramène. J'expire, je viens toucher. J'inspire, je ramène. Donc en pilates, l'important, n'est pas forcément le mouvement. L'important c'est de garder la stabilité du corps. Donc là, quand j'ai une jambe qui part, l'autre ne bouge pas. J'ai pas le buste qui est emporté par le mouvement. Je gaine cette jambe, elle reste gainée en angle droit. Le mouvement part de l'articulation de la hanche et je rentre bien mon ventre. Ok, encore. J'expire et j'inspire. Je ramène. Rentrez le ventre, profitez-en là, une bonne position pour regarder notre nombril. Donc, est-ce que je creuse bien mon ventre Allez-y, comme si on voulait que le nombril vienne toucher la colonne vertébrale. Encore. Et vous allez pouvoir relâcher. On pose la tête. On fait un instant genou poitrine. Ok, parfait. On repose les pieds au sol. Dans l'exercice suivant, vous allez tendre la jambe droite, pied pointe. On soulève le buste. Donc, avant de soulever le buste, on allonge le dos. On rentre le ventre, on expire, on enroule. On met les mains derrière le mollet. On étire la jambe gauche et on va mettre les pieds en flex. Donc, talon vers l'avant, ça va vous étirer derrière les jambes. On inspire. On expire sur l'autre jambe. On n'y va pas comme une brute à toute vitesse. Pareil, c'est volontaire. C'est pas une faiblesse. On fait exprès de travailler lentement pour travailler en profondeur. Donc, j'inspire, j'étire une jambe vers moi, j'expire, je fais l'autre. Donc, je cherche à étirer. Attention, c'est votre jambe qui descend vers vous. C'est pas votre buste, comme ça, qui remonte. Le buste, lui, est immobile. Vous gainez le dos. Vous baissez les épaules. Et rappelez-vous, si vous trouvez un mouvement facile, c'est pas normal. C'est que vous n'avez pas assez gainé, pas assez engagé vos muscles profonds. Vous pouvez toujours augmenter la difficulté à mesure que vous progressez en gainant un peu plus. J'inspire. J'expire et je creuse mon ventre. J'inspire, garder les pieds flex. J'expire, je creuse le ventre à fond, à fond, à fond. Encore, je tire vers moi. Donc on ne tire pas pareil trop fort, hein, on fait délicatement. Ok, vous allez pouvoir relâcher, genou, poitrine et on masse le dos. On va reposer les pieds au sol et on va se préparer pour l'exercice suivant. Donc je joins les mains, je croise les doigts, mains derrière la tête. Je vais ramener les genoux au-dessus du ventre. Donc là pareil, on creuse le ventre, vous voyez, je vais relâcher mon ventre. Là, hop, j'aspire mon nombril, je creuse. Je place mes jambes. Je soulève mon buste. J'étire ma jambe devant moi. Et je vais faire une belle rotation du buste vers ma jambe pliée. donc rotation du buste. On fait travailler les obliques, on sent une petite torsion dans le dos. On n'est pas en abdo fessier, on ne veut pas toucher le genou avec le coude. Au contraire, on garde les bras bien ouverts. Ce qui nous intéresse, c'est de recruter à fond nos obliques, donc on tourne bien comme si on voulait parler à quelqu'un qui serait à côté de nous. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. Ça c'est la première option. On cherche la longueur dans la jambe et pareil, on ne va pas vite, on est précis. On est appliqué Il vaut mieux en faire moins mais bien fait que beaucoup mal fait à toute vitesse, ça sera beaucoup moins efficace. OK, option 2. Je tends mon bras. Je viens coller mon bras contre ma cuisse, paume de main vers l'extérieur. J'inspire d'un côté. J'expire de l'autre et on creuse toujours le ventre. Si à un moment donné on voit que le ventre est relâché, ben on peut faire une petite pause, recreuser, se reposer un instant et repartir. Donc Je suis précis ou précise. Attention, les fesses ne décollent pas comme ça. Je garde les fesses au sol. C'est une rotation avec le haut du buste. Ceux qui veulent aller encore plus loin, on a une option 3. On va pouvoir garder les deux jambes tendues. Et tournez vers la jambe qui est tendue vers le plafond. Et de la même façon que pour la deuxième option, vous pourrez même ajouter le bras tendu, paume de main vers l'extérieur. Et on rentre toujours le ventre. Si on se déconcentre qu'on le relâche, c'est pas grave. On fait une pause. Et on reprend juste après. Allez, cinq. Quatre. Trois. 2 1 Et relâchez. Genoux poitrine, petit massage de votre dos. Allez, on tire bien les genoux vers nous. Si vous éloignez vos genoux de vous, ça masse le bas du dos ou la région du sacrum. Plus vous rapprochez, plus vous massez le haut et le milieu du dos. Ok. Ensuite, on va poser les pieds au sol. Et on va travailler un petit peu les fessiers et la souplesse de l'arrière des jambes. Donc on commence ici, bascule du bassin, comme on a fait tout à l'heure à l'échauffement. On serre les fessiers à fond. Si on n'est pas bien au niveau des genoux, on ravance un petit peu les pieds. On serre les fessiers à fond, on creuse le ventre à fond, on plaque les bras. Tout le corps est gainé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Dérouler. Une vertèbre après l'autre. On pose les lombaires, on pose les fesses, on inspire en bas. Et en basculant, on monte, on serre les fessiers à fond. Et 10, 9, 8. Creuser le ventre, serrer les fessiers. 7, 6, 5, 4, 3. 2 1 déroulé il nous en reste un seul et ensuite on passera au battement de jambes donc bascule je monte je serre les fessiers à 2000% comme si je cherchais à les broyer pareil pour le ventre je le rentre je gagne tout mon corps ça doit pas être facile gainer à fond dix neuf huit sept six cinq quatre 3, 2, 1, dérouler une vertèbre après l'autre et on va repartir. Alors on essaye d'être vraiment précis sur ce mouvement, c'est essentiel. On monte, on a les fessiers contractés. On serre le fessier gauche à fond. On tend la jambe droite, pied pointe. Je descends, pointe. La jambe reste tendue, le bassin ne doit pas basculer d'un côté, sinon c'est-à-dire que le dos est tordu aussi. Donc je descends pointe, je remonte pied flex une fois, deux fois, pied flex pour bien étirer l'arrière de la jambe, troisième fois, et on remonte. On plie le genou, on pose le pied, on serre les fessiers à fond. Pour bien se replacer et on fait la même chose sur l'autre jambe donc on serre le fessier de la jambe d'appui le fessier droit on creuse le ventre le bassin reste tourné vers le plafond c'est ça qui est essentiel. Je descends la jambe pied pointe. Je remonte flex. Je descends pointe. Je remonte flex. Rien ne bouge dans le corps à part cette jambe qui est en train de faire le mouvement donc gainé à fond. Je descends. Et je remonte. Je plie le genou, je pose le pied, je serre les fessiers pour bien me replacer avant de dérouler proprement mon dos sur le tapis. On va le faire une deuxième fois. Allez, bascule du bassin, je monte, je serre les fessiers à fond, je tends ma jambe, pied pointe, je descends flex, je remonte pointe. Cette fois-ci, je descends flex, je remonte pointe, une dernière, je descends flex, et je remonte, pointe. Je plie le genou, je pose le pied. Je serre mes fessiers, je fais l'autre jambe. Je descends flex, pareil. Gardez le bassin tourné vers le plafond. Je remonte, pointe. Une. Deux. Creusez le ventre. Et la troisième. Je plie le genou, je pose le pied. Je resserre mes fessiers à fond. Et je déroule mon dos. Super. Genou poitrine. Et vous massez votre dos. Donc tirez bien vos genoux vers vous. On masse. On tire. Ensuite, on peut éloigner. On éloigne un instant. OK. L'exercice suivant. Alors, je vais tendre une jambe vers le plafond. Et l'autre. Je joins mes pieds. Je vais les coller l'un contre l'autre. À l'expiration, je soulève l'eau du buste. J'enroule ma tête. Je regarde vraiment entre mes cuisses. J'étire mes bras. Je gaine à fond le haut du dos. C'est important. Je plaque bien mes omoplates et je vais faire des battements comme si je tapais dans l'eau. Je cherchais avec la boussée autour de moi. Je gaine mes jambes. Si je veux augmenter la difficulté, bien sûr, je peux tendre les jambes plus bas, mais faut pas que ça me fasse mal au dos.

Allez, ensuite, l'exercice suivant. Alors, on pose nos pieds et on va croiser une jambe sur l'autre. On joint les mains, on croise les doigts, on passe les mains derrière la tête. Vous ramenez vos jambes vers vous. Ici. À l'expiration, on soulève le haut du buste. On l'enroule. On fait pied pointe. On va venir toucher le sol avec la pointe du pied. Et descendre le buste en même temps. On fait 1, 2, 3. Creuser le ventre. 4, 5. Attention au dos. 6. Sept, huit, neuf, et dix parfait, on change le croisement, on ramène les genoux au-dessus du ventre, on soulève le buste, et même chose dix, creusez le ventre, neuf on ramène bien le buste vers les genoux. Huit. Ne tirez pas sur les bras. Sept. Six. On souffle sur l'effort. Cinq. Quatre. Trois. 2. 1. Et relâchez. Super. Masser le dos, genoux poitrine. Allez, on va pouvoir mettre les mains sous les genoux. On creuse le ventre et à l'expiration, petite impulsion. On revient s'asseoir sur le tapis. Ici. On croise nos jambes. On va courber les bras, courber le dos, partir vers l'arrière, comme si on faisait un câlin, un gros ballon de pilates. Et on inspire, on revient, dos droit, ventre rentré. J'expire ici. Et j'inspire, je reviens, je me grandis. Courber le dos, baisser les épaules, basculer vers l'arrière. Et j'inspire, j'ouvre encore. Quatre. 3. La tête suit le mouvement. 2. Et 1. Ok, parfait, super. On va pouvoir passer sur le ventre. Donc, ici je me place, allongée sur le ventre. Vous allez tourner les pointes. De pieds vers l'extérieur et on va se mettre en appui sur les avant-bras. On creuse le ventre, on serre les fessiers, on gagne le haut du dos et à l'expiration, vient se placer ici. Donc je serre mes fessiers, je creuse mon ventre, l'os du pubis est vraiment en appui dans le tapis. J'inspire en haut. Et j'expire, je redescends. J'inspire en bas. Si mes omoplates se pincent, hein, je ne veux pas qu'elles se touchent, je peux ouvrir un peu plus mes bras, par exemple les mettre à l'extérieur de mon tapis. Et j'expire, je monte. En appui sur mes avant-bras. Je rentre le ventre, je serre les fessiers à fond. Ça empêche de cambrer le dos, de relâcher, d'être ici. Okay Donc je serre les fessiers, je creuse le ventre. J'inspire et j'expire, je descends. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire. Le niveau suivant, on passe par ce niveau, donc on est toujours en appui sur les avant-bras et on pousse encore sur nos bras, hop, on est bras tendus, épaules basses, on serre les fessiers, on creuse le ventre à fond pour ne pas cambrer, pour pas que le dos s'écroule comme ça, on le tient, on le protège. On inspire en haut et on expire, on déroule, on pose. On inspire en bas et on expire, on monte. Serrez les fessiers, creusez le ventre. Baissez les épaules, gainez le haut du dos. Comme d'habitude, si c'est trop facile, c'est pas normal. que vous avez oublié de gainer un truc. J'inspire en haut. Et j'expire, je descends. Tous les muscles de mon corps sont engagés. J'inspire en bas. Et j'expire, je remonte. J'inspire en haut. Vous gardez la tête alignée avec le dos. Donc pas de tête qui pend comme ça vers l'avant. Ou de tête en arrière. On n'est pas au yoga. On est là, hop, et j'expire, je redescends. J'inspire en bas, j'expire, je monte. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise, replacez vos mains. On peut les avancer un peu plus, on peut un peu plus les reculer. Alors faites-le quand vous êtes en bas. Il faut trouver une position qui vous semble naturelle, qui ne vous gêne pas quand vous faites le mouvement. J'inspire. Et j'expire, je redescends, j'en fais un dernier. J'inspire en bas. Et j'expire. <coughs> Pardon, je remonte. J'inspire en haut. Et je souffle, je descends doucement. Super. Je vais joindre les jambes, je joins les mains, je croise les doigts, j'inspire et en soufflant, je soulève le buste, je tire les bras vers l'arrière. Et j'inspire, je redescends tout doucement. Gardez vos pieds au sol. J'expire, je monte. Et j'inspire, je descends tout doucement. Encore. J'expire. Donc je tire ici. Creusez le ventre. Épaules basses. Et j'inspire, je redescends. J'en fais un dernier. J'expire. Et j'inspire, je redescends. Doucement, super. Allez, ensuite on va ramener les fesses sur les talons. Donc vous écartez les genoux, vous tendez les bras, vous pressez vraiment bien les mains sur le tapis. On allonge le dos, on respire. On cherche vraiment la longueur dans le dos. C'est le fait d'appuyer les bras sur le tapis qui repousse les épaules, qui permettent de mettre de la longueur dans le dos, qui permettent de bien étirer. Ok. On étire, on étire. Ok, on va enchaîner sur la vague. Donc, je garde les mains et les genoux là où ils sont. Ils sont déjà bien placés. Je vais monter en dos rond et je vais doucement basculer le bassin vers l'avant. Épaules basses, ventre rentré, fessiers contractés. Je ne m'écroule pas comme ça. Je suis vraiment là. Et je ramène mes fesses sur les talons. J'étire mon dos, je monte dos rond, je bascule, épaules basses, ventre rentré, fessiers contractés. Donc épaules basses, c'est loin des oreilles, c'est-à-dire que les épaules, comme ça, ne remontent pas vers les oreilles. Et je ramène, je fais lentement à mon rythme. Donc là, c'est comme une vague qui déroule. Hop, ici, j'inspire et je ramène, la vague se retire. Easy. Allez encore, dos rond, on tire le dos vers le ciel. On l'arrondit, on l'arrondit, on l'arrondit et hop. On bascule vers l'avant, on inspire et on ramène les fesses sur les talons. On étire au maximum. Le prochain, on s'en sert de transition vers l'exercice suivant. Je suis ici, je plie mes coudes le long du corps et je descends tranquillement. Sur mon tapis. Je recule un petit peu. Ok. Pour la suite, je vais mettre mes bras le long du corps. Là, je veux vraiment beaucoup travailler mon dos. Alors, je gagne mon dos. Je cherche la longueur dans le dos. Je rentre le ventre. Replacez-vous toujours avant de commencer. J'expire, je monte. J'inspire, je descends doucement. Encore. J'expire, je monte. Et j'inspire, je descends doucement. Le but, c'est vraiment pas d'aller haut. Encore une fois, trois fois. Je monte. Et j'inspire, je descends doucement. Ensuite, on fait ça avec les jambes. Vous serrez les fessiers, vous creusez le ventre. On lève une fois. On repose. Deux fois. On repose. Et trois fois. On repose. Ok, à nouveau le buste. Trois. Gainez le dos, cherchez de la longueur dans le dos, épaules basses. Deux. Gardez les mains au sol. Et un. Ok, à nouveau les jambes. Trois. Creusez le ventre à fond. Deux. Et un. Nickel. Pour le dernier, on va à la fois soulever le buste et les jambes et on va rester en gainage. Donc, j'expire, je soulève le buste, je soulève les jambes. Cinq, quatre, trois, deux, un. Reposer. On le fait trois fois. Ne cherchez pas spécialement à monter haut. Soulever seulement, ça suffit. On creuse le ventre, on serre les fessiers, on est reparti. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On pose. Le dernier. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On pose. Super. Ok. Ramenez un instant les fesses sur les talons pour bien étirer votre dos. Respirez profondément. Allongez, allongez, allongez. Cherchez de l'espace entre les vertèbres. On fait ça vraiment en appuyant bien les mains sur le tapis. Et on revient s'allonger sur le ventre. Ok. Alors, le prochain exercice, on a les bras le long du corps. On commence ici, je vais reculer un petit peu. Donc, bras le long du corps. J'expire, je lève. Je vais amener mon bras droit devant moi et je vais déplacer mon buste latéralement sur la gauche et ensuite de l'autre côté sur la droite avec le bras gauche. Je ramène et je pose. Et je repars. À gauche. Et à droite. Pareil. On n'a pas besoin de soulever très haut. Et on ramène. On pose. Encore une fois. Je lève. Un côté. Et l'autre. Creusez le ventre à fond. Je ramène mes mains. Et je pose. Un dernier. Je lève. Pensez à bien respirer. Un côté. Et l'autre. Je ramène. Et je pose. Nickel. Ramenez à nouveau les fesses sur les talons. On tend bien les bras. On appuie les mains. On presse les mains vraiment sur le tapis. On cherche la longueur, l'étirement dans le dos. On respire. Appuyez vos mains. Allez, donc on va garder notre position. On va juste monter les fesses. Donc ne déplacer ni les genoux ni les mains. On se met sur les pointes de pied. On va monter les fesses vers le ciel. On monte les fesses vers le ciel. Première étape. Deuxième étape, on pousse le ventre vers les cuisses. On cherche la longueur dans le dos. Donc les fesses le plus haut possible en montant les talons. Le dos le plus droit, le plus étiré possible en poussant le buste vers les cuisses. Et dernière étape. On va plier un petit peu le genou droit et essayer de faire descendre le talon gauche, jambe tendue. Et on va alterner comme ça tranquillement. Lentement. Gardez la tête entre les bras. Donc on n'essaye pas d'être ici. Hein. On relâche la tête. On creuse le ventre. On fait doucement. On tire pas un grand coup le talon vers le tapis. Aspirez bien votre nombril. Cherchez toujours la longueur dans votre dos. Et je creuse mon ventre. Respirez. Donc là, on renforce les épaules, on assouplit, on allonge le dos, on décomprime les disques intervertébraux, on assouplit l'arrière des jambes. Et puis avoir la tête en bas comme ça, ça permet de se relaxer aussi. Donc ça, vous le sentirez plutôt après. Donc on respire. Cherchez toujours à monter les fesses, à allonger votre dos, à pousser le ventre vers les cuisses sans déplacer ni les pieds ni les mains. Allez, on essaye de poser les deux talons, on les dirige vers le tapis, on ne force jamais. Et on relâche, super. Ramenez à nouveau les fesses sur les talons. Cette fois-ci, on resserre les genoux et on va ramener les bras le long des jambes, mains au niveau des pieds. On respire, se relaxe. Donc, posez vraiment le front, ne posez pas la joue pour pas créer de pression dans vos cervicales d'un seul côté. Donc, juste front au sol. Si votre front ne se pose pas, n'hésitez pas à prendre une petite brique de yoga ou un livre comme ça pour poser le front dessus. Respirez, on sent le dos se détendre. On va poser les mains devant les genoux. On déroule du bas du dos jusqu'à la tête. On se grandit, on allonge. Le dos. Et on va pouvoir venir se placer à quatre pattes. Donc, pour faire dos du chat, dos du chien. Donc, j'expire dos rond. Tirez le dos vers le plafond. J'inspire, je viens en dos neutre et j'expire, je pousse mon ventre vers le sol, dos cambré, épaules basses. J'inspire dos neutre. Donc, le dos neutre, c'est votre courbure normale. J'expire dos rond. Si vous sentez que ça vous étire mieux le bas du dos, vous pouvez aussi Reculer un petit peu les fesses. On revient en dos droit. On courbe le dos. Épaules loin des oreilles. Jamais comme ça. Faites attention à chaque détail. Dos rond. Donc on a le droit de reculer les fesses. Et dos cambré. Ok, parfait. Super. On va revenir assis sur le tapis. Alors, on a quasiment fini. On va poser une main à côté de nous. On va chercher loin, loin, loin sur le côté. Rentrer le ventre. Vous voyez, j'ai éloigné ma main de moi. J'ai tourné les doigts par ici et j'ai plié mon coude de façon à avoir l'épaule basse. Ça va pas me retrouver tordu comme ça. Donc, j'ouvre bien le buste et je fais chercher loin sur le côté. Et la même chose de l'autre côté. On va chercher loin, loin, loin. On Rentre le ventre. Parfait, encore une fois, ici. Et l'autre côté. Épaule basses. Jamais d'épaule qui monte vers l'oreille. Ok, super. Allez, le dernier, on va récupérer notre sangle. Donc notre sangle, je me mets dos à vous. Hop. On va étirer le bras droit. On va le plier. Le bras gauche. Hop, on le monte. Et on va essayer d'attraper nos doigts. Ne forcez pas. C'est pour ça qu'on a pris la sangle. Donc, si on ne peut pas joindre les mains, hop, je mets mes mains sur la sangle et j'essaye de rapprocher mes mains l'une de l'autre. Donc, ne forcez pas. Faites doucement. On tient la position, donc ça doit étirer au niveau de l'épaule. Tenez-vous droit, étirez le dos, rentrez le ventre. On respire profondément. On peut fermer les yeux si on veut. Ok. On relâche, alors dans l'ordre, faites attention. Donc, je relâche mon bras, ma main gauche. Tout doucement, je retends mon bras droit et je ramène et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je tends mon bras gauche, je plie, main dans le dos, hop, j'essaye d'agripper mes mains, si c'est pas possible, je prends ma sangle, Alors forcément, hop, donc je prends ma sangle et hop, j'essaye d'amener mes mains l'une vers l'autre. Donc on a toujours un côté plus souple l'autre c'est normal allez on tient la position respirez on se tient droit grand fait toujours attention à la posture même dans les étirements ok vous allez relâcher la main du bas en premier voilà, on fait doucement pour pas se faire mal. On retend le bras gauche. On ramène le long du corps. Et on relâche. Donc on peut ranger notre sangle. Et on va détendre les épaules vers l'arrière. Super. Voilà, la séance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker aussi la chaîne. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire. Salut, à plus tard.